Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics. Je suis venu faire une petite vidéo, toute petite aujourd'hui, hein, de cette Mustang Fastback 65. C'est celle qui est sur mon site, que j'ai affichée à la vente récemment, il y a quelques jours, et qui est déjà vendue, hein, elle est partie très très rapidement, celle-ci aussi. Voilà, ce que je n'avais pas fourni, par contre, c'est justement cette petite vidéo, hein, j'avais mis que des photos. Et voilà, je voulais simplement mettre en évidence l'état de cette voiture qui est fantastique, il est spectaculaire. Et j'ai parmi le très grand nombre de Mustang qu'il m'a été donné de voir et d'envoyer en France, celle-ci est numéro 1 en ce qui concerne son état. Encore une fois, elle est parfaite. C'est vraiment ce qu'on appelle le show car. J'en vois pas beaucoup des show cars. Je vois de belles voitures, je vois de très belles voitures, mais je vois quasiment jamais de voitures finies avec ce souci du détail qui caractérise cette voiture en particulier, quoi. C'est-à-dire que on peut tourner autour. Et encore une fois, hein, avec des gens, avec des connaisseurs de la marque, du modèle, quoi, on peut tourner autour et fouiller, gratter de très près, et il est impossible de trouver le moindre défaut à cette voiture. Elle est absolument fantastique. On voit d'ailleurs, la peinture est magnifique, elle est très tendue, très brillante. L'intérieur est magnifique aussi, hein, avec les sièges, le pony, le volant en bois, mais sûr, hein, c'est pas du faux, hein, c'est du vrai bois. Le rallye pack qui fonctionne, on voit la trotteuse là-bas sur la montre qui fonctionne. La climatisation fonctionne. Elle est équipée d'une boîte 4 qui fonctionne très très bien aussi, boîte manuelle 4 vitesses. Voilà, tout fonctionne, elle démarre au quart de tour. Le compartiment moteur est nickel. Je vais vous le montrer. Hop là, voilà, absolument splendide. Quand on voit la finition sur les intérieurs d'ailes, comme ça, la qualité de la peinture, le numéro VIN ici qui est estampillé, hein, les vis, hein, toute la boulonnerie, hein, qui n'a pas été peinte, bien sûr, le dessous du capot lui-même, hein, qui est magnifique, le compresseur de clim, donc j'ai dit qu'il fonctionne, enfin, voilà, c'est fantastique. Partout où on regarde, c'est nickel. Encore une fois, je ne pense pas avoir vu de Mustang. Bon, j'en ai vu des très 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 belles quand même, malgré tout, hein, mais celle-ci est un petit peu au-delà de ce qu'on peut souhaiter imaginer, quoi. Voilà. En tout cas, elle va faire quelqu'un de très heureux en France, sans aucun doute, hein. Voilà, c'est tout, hein. Je voulais pas m'attarder trop, hein. De toute façon, comme je vous dis, elle est vendue, mais je voulais simplement que l'on se rende compte un petit peu de la qualité et du niveau de finition de cette Mustang. Voilà, c'était donc Serge de Oregon Classics, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt, au revoir.